Bienvenidos, bienvenidas al ALEF. Gracias por dejarnos estar en sus casas en este gran esfuerzo de la Universidad Nacional Autónoma de México para reflexionar sobre las consecuencias de esta pandemia de COVID-19. Clausuramos este evento con la presencia de uno de los filósofos más relevantes de nuestro tiempo, el profesor Jean-Luc Nancy, que estará con nosotros conversando sobre estas consecuencias filosóficas y de otros órdenes de la pandemia. El profesor Nancy es uno de los filósofos más respetados y más influyentes de nuestro tiempo. Se ha preocupado especialmente de temas como la comunidad, el cuerpo, la democracia, la globalización y los efectos de todo esto que se ligan ahora a esta pandemia de COVID-19. Para nosotros, desde el ALEF, es un gran honor contar con la presencia del profesor Jean-Luc Nancy. Así que pasemos a escucharlo y conversaremos al final. Bonjour. Donc le titre de cette conférence est l'utile et l'inutile. Je vais partir de ceci. Il y a un phénomène intéressant pour moi, pour les philosophes dans cette période. C'est que on m'a demandé plusieurs fois si la philosophie est bloquée par le virus. Je comprends ce qui suscite la question. C'est parce qu'on attend une sortie de la crise par la pensée. On attend que la sagesse philosophique permette de sortir de la crise. Cela n'a rien de nouveau, cette attente que la philosophie permette de résoudre les problèmes, mais cela devient presque comique dans une situation où c'est très clairement un ensemble de mesures techniques et pratiques qui pourra résoudre le problème. La philosophie n'a jamais été un art de la sagesse. Même si l'art de la sagesse, ça existe, même des philosophes l'ont pratiqué, mais c'est autre chose que la philosophie elle-même. Et même si l'exercice de la pensée ne peut que communiquer forcément quelques incitations à ne pas s'emporter contre le réel, que ce soit le réel des difficultés de la vie ou celui des apories de la mort. La philosophie n'est pas un art de la sagesse, elle est d'abord la reconnaissance de ce que le réel échappe à toute pensée, à toute prise, pardon. Ou plus exactement, la philosophie est la reconnaissance du fait qu'il ne peut pas y avoir de connaissance ni de reconnaissance de cette échappée du réel. Et qu'en même temps, c'est à cette échappée ou par elle que nous sommes vraiment destinés. Je veux dire constitués en tant qu'humains et en tant qu'animaux parlants. Cette destination ne fait pas un destin au sens d'une fatalité, mais elle fait un envoi, une lancée ou une poussée. Rien à ne chercher derrière ni devant cet envoi. L'homme est l'animal aventuré, il est l'animal risqué. Il est l'animal jeté, on peut dire, geworfen, avec Heidegger. Derrida parlait de destinérance, qui est un mot, je pense, assez facile à traduire en espagnol, j'espère.
Destinérance, c'est-à-dire une destination à errer. Errer, ce n'est pas s'égarer. S'égarer suppose qu'on a quitté des voies tracées à l'avance. Errer, ce n'est pas faire fausse route, c'est parcourir un espace sans route ni repère. Ni les repères d'une croyance, ni les repères d'une sage expérience. La destinérance, c'est au contraire l'expérience d'être expédié non seulement à l'inconnu, mais à l'inconnaissable. Depuis son début, la philosophie, elle est dans cet envoi à corps perdu, comme on dit en français, à corps perdu. Et cet envoi se vivifie lui-même, il s'anime, il s'emballe, il s'envoie encore plus loin, il file, on pourrait dire, au-delà de l'être, comme dit Platon, au-delà du savoir, au-delà de Dieu, et au-delà de tout au-delà. Cela s'appelle, dans l'histoire de la philosophie, savoir absolu, ou éternel retour, liberté, chez Kant, existence, ou destinérance. Au fond, c'est toujours la même chose, au sens d'une chose toujours soustraite à l'identité et à la propriété. En même temps, du même élan, de cette même poussée qui est celle qui a envoyé toute notre culture occidentale, du même élan, la même culture de l'envoi a déployé une entreprise de conquête dont les perspectives ne s'échappaient pas moins, mais se présentaient des objets, des productions pratiques censées représenter un accomplissement des machines, des vitesses, des logiques, des systèmes, et au bout de tout cela, des productions. La même errance a rencontré des forces, les a utilisées, puis en a produit de nouvelles, à leur tour utilisables, ou créant de nouvelles utilités. On a taillé le silex, puis ensuite on a tendu l'arc. Plus tard, on a découvert les propriétés explosives de certaines substances. On a voulu maîtriser pour se protéger, puis pour conquérir. Mais aussi, on a voulu maîtriser pour maîtriser. De même qu'on a voulu la volonté elle-même, ainsi que nous l'avons lentement découvert à partir sans doute de Kant, mais surtout à partir de la lecture de Kant par Nietzsche, par Heidegger. C'est-à-dire à partir du moment où la volonté n'a plus seulement représenté la possibilité de décider entre des possibles, mais à représenter, dans sa définition kantienne, la faculté d'être par ses représentations cause de la réalité de ces mêmes représentations. C'est-à-dire la volonté, cette fois, comme pouvoir de réalisation, d'effectuation ou de production. Production, ce grand mot de la civilisation moderne,
est le mot de l'élan de l'existence, se comprenant lui-même comme volonté, volonté d'aboutir. Et la production est devenue expressément le signe distinctif de l'homme. Marx écrit, je cite dans le Capital, ce, comme vous le savez, citation très connue, ce qui distingue dès l'abord le plus mauvais architecte de l'abeille la plus experte, c'est qu'il a construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche. Le résultat auquel le travail aboutit préexiste idéalement dans l'imagination du travailleur. Ce n'est pas qu'il opère seulement un changement de forme dans les matières naturelles, il y réalise du même coup son propre but dont il a conscience, qui détermine comme loi son mode d'action et auquel il doit lui-même subordonner sa volonté. Si la volonté se subordonne dans ces lignes de Marx, c'est qu'elle se subordonne à une loi qui s'est élaborée dans la conscience, comme dit Marx. Et la soumission à la loi qu'on s'est donnée soi-même est la liberté. Comme l'écrit Rousseau et comme Spinoza, avant Rousseau, l'avait déterminé au sujet de Dieu seul. La volonté moderne est devenue équivalente de l'autoproduction, voire de la création. Mais qu'est-ce que la création sinon une autoproduction ? L'autoproduction non seulement d'une abondance d'objets, mais encore plus de la puissance idéative et imaginative du sujet producteur. Le sujet producteur. La philosophie a beaucoup travaillé, comme vous le savez, depuis un siècle, au moins, autour de cette notion de sujet. Sa complexité, son caractère dynamique opposé à la statique d'une substance, c'est ce qui se passe en philosophie avec Hegel, passage de la substance au sujet. Son caractère dynamique, mais poussé jusqu'à le priver de toute assise, sa fragilité ouverte à l'immense interconnexion des forces pré-subjectives, parasubjectives ou post-subjectives, ce qu'on a nommé d'un côté l'inconscient, de l'autre la masse ou la foule, d'un troisième côté le mythe ou la structure, tout cela a contribué à rendre la notion de sujet extrêmement fuyante. De plus en plus, il est apparu dans le XXe siècle que c'était le projet qui tenait lieu de supposé sujet et que le projet, ainsi que Bataille, Georges Bataille, l'a pensé, que le projet s'oppose à ce que Bataille appelle la souveraineté, qui n'a pas du tout chez lui le sens actuel politique, la souveraineté qui serait le sens d'un au-delà du sens, le sens d'un essentiel inachèvement, refusant d'être soumis à ce que Marx appelait l'équivalence générale, c'est-à-dire l'argent, et que Bataille appelle l'homogène.
à la finalité, toujours relancée, d'une destination ultime. Société comblée, humanité parachevée, homme total, disait Marx. À cette finalité, demander peut-être, à commencer peut-être à demander à se substituer justement ce que Derrida a nommé une destinérance. Et qui pourrait aussi se dire par l'image deleuzienne des lignes de fuite. De manière parallèle et dans les mêmes temps, disons, du milieu du XXe siècle, la psychanalyse avec Lacan approfondissait l'écart entre un projet de normalisation sociale et une thérapeutique, et au contraire, le risque inhérent à ce projet de laisser se raconter, non plutôt le risque qu'on court si on ne rentre pas dans ce projet, le risque de laisser se raconter une aventure improbable, un mythe personnel. Tout cela, tout ce travail de déconstruction du sujet, tout ce travail, bien sûr, n'a jamais donné lieu à un contre-projet. Ça aurait été contradictoire. Mais tout cela a constitué le ferment spirituel d'un temps, je dirais un temps qui commence, oui, peut-être justement, qui commence au fond avec Nietzsche, mais disons de façon plus visible avec Bataille, et puis qui vient jusqu'à nous, d'un temps qui pressentait la nécessité de trouver ou de retrouver en s'écartant du projet de l'utile interminable, ce qu'on peut tout simplement nommer la part de l'inutile. Bataille l'appelle la part maudite, mais je laisse de côté même cette appellation, je nomme tout simplement dans les termes les plus simples que nous pouvons tous immédiatement comprendre, la part de l'inutile. Le paradoxe, c'est que en même temps, c'est-à-dire depuis 50 ans, le modèle de civilisation en train de recouvrir le monde ne cessait pas de créer de nouvelles utilités. D'une part, le progrès technique produisait toujours plus d'outils utiles, d'ailleurs un outil est utile, par définition, et des outils utiles au fonctionnement du progrès technique lui-même. D'autre part, l'expansion de la population mondiale et des communications rendait désirable l'accès de tous à cette utilité en croissance exponentielle. Tout le monde a voulu avoir une voiture, tout le monde a voulu avoir une machine à laver, tout le monde veut avoir un smartphone. Mais ce désir lui-même se heurte d'une part à l'accaparement de la richesse utile par le nombre très restreint, de plus en plus visiblement restreint, de ceux qui produisent, qui maîtrisent la production, non pas qui travaillent à produire, mais qui maîtrisent la production. D'autre part, ce désir s'est mis à se heurter au grave désordre climatique, énergétique et existentiel engendré eux-mêmes par la fièvre de la production de l'utile. Pensez que je suis en train de vous dire cela au moment où on détruit la forêt amazonienne dont le rôle est, je dirais, au-delà de l'utile. Enfin, il est d'une utilité absolue,
mais en même temps, il est au-delà de l'utile. Il est au service de la vie sur la planète. Ils ont détruit la forêt amazonienne au nom d'autres utilités. Le résultat, c'est un monde dont le projet lui-même devient indéchiffrable, incompréhensible, voire catastrophique, et dont le sujet, c'est-à-dire nous, devient fantomatique. C'est le sujet de droit abstrait ou bien de croyances grossières. Et un monde, enfin, dont les objets tendent à devenir inutilisables, à moins que cette machine tourne parfaitement pour sa seule utilité bouclée sur elle-même. De tout ce que je rappelle ainsi de manière très sommaire et que vous savez déjà, la pandémie virale, avec tout ce qui l'entoure de mesures nouvelles, de discussions, de contradictions, d'incertitudes, fournit une sorte de miroir grossissant. Le virus est nouveau, mais rien d'autre n'est innovant dans cette crise. La propagation du virus fonctionne de manière analogue à celle d'autres propagations que nous nommons virales en informatique, par métaphore, depuis déjà longtemps. Les capacités et les modalités de lutte reflètent bien les capacités et les idéologies des pouvoirs politiques et technoscientifiques qui les mettent en œuvre. Nos forces et nos faiblesses jouent leur rôle. Mais quelque chose est nouveau, cependant, avec cette crise, bien que déjà commencée aussi avant la crise. Et quelque chose est nouveau qui est la peur. Nous avons peur d'une contagion qui paraît singulièrement sournoise, d'une maladie assez insaisissable et qui manifestement provoque peu d'atteintes graves en dessous de 65 ans, peu, mais qui en provoque quand même, ce qui bien sûr complique les stratégies de protection, mais qui n'en menace pas moins cette maladie de façon endémique, sinon épidémique, sous des formes souvent asymptomatiques. Jusqu'ici, la peur était relativement limitée par les domaines des maladies dangereuses et en principe mieux repérées, tandis que celle-ci est mal repérée, et aussi par le domaine des possibilités criminelles et d'attentats. Et donc ce n'était pas une peur diffuse, manifestée par des gestes et des dispositions qui nourrissent aussitôt une anxiété supplémentaire, comme le masque, la distance, etc. Par exemple, les masques sanitaires sont un signe de protection et en même temps, un signal inquiétant, comme si un porteur de masque chirurgical était un comploteur ou un bandit. Bien sûr, cette peur a quelque chose d'enfantin. Ce qui est enfantin est impulsif et ne sait pas s'exprimer. En fait, nous avons peur de nous-mêmes.
Nous avons peur de tout l'inconnu, de tout l'indéterminé qui nous entoure et dont nous nous rendons compte que nous ne le maîtrisons pas. Nous oublions complètement. C'est presque comique, en tout cas ironique, à quel point nous oublions complètement combien les sociétés anciennes ont connu la peur, l'insécurité civile, alimentaire, climatique et sanitaire. La peur avait alors d'autres noms, l'horreur, l'épouvante, la frayeur devant des dangers terribles, réels ou imaginaires, l'anxiété, l'alarme, le frisson à la pensée des dangers proches, l'inquiétude, l'appréhension, la crainte des menaces permanentes liées au pouvoir et aux forces. Ces batailles qui disaient « nos ancêtres ont vécu dans la peur ». Et le modèle du brave sans peur n'a été si important que parce que tout le monde vivait dans la peur. Toute vie, sans doute, contient la peur. La peur d'être tué et la peur, plus complexe, de désirer tuer soi-même. La philosophie n'est pas exempte de cette peur. La philosophie est formée, au contraire, par la peur de ne pas avoir d'assurance, de manquer d'assurance. Mais la philosophie est aussi ce qui essaye de comprendre et d'accepter le saut au-delà de l'assurance, de la sécurité, au-delà du savoir, et donc aussi du pouvoir. La philosophie s'efforce de faire de cette peur un étonnement. Comme vous le savez, depuis Platon, répète, la philosophie commence avec l'étonnement. Oui, un étonnement. Et même une profonde perplexité. En fait, toute la philosophie provient de la peur, de l'étonnement et de la perplexité devant la mort. Parce que la philosophie vient lorsqu'il n'y a plus de garantie religieuse ou mythologique ou magique à la mort. Donc, la peur philosophique provient elle-même de l'absence de garantie religieuse. Or, cette absence est constitutive de nos sociétés. Elle en est constitutive parce qu'elle appartient à la structure la plus profonde de l'élan de savoir, de pouvoir, de l'élan du projet dont j'ai parlé. Mais cela signifie que nous avons à nous savoir et à nous penser à travers ce projet lui-même, ou peut-être au-delà de ce projet qui commence précisément à s'épuiser, cela signifie que nous avons à nous savoir et à nous penser toujours exposés à la mort. C'est-à-dire à quoi? C'est-à-dire à l'inachèvement du sens. Lorsqu'une moisson pousse, lorsqu'un enfant grandit, lorsqu'un rapport est noué, un rapport amical, social, amoureux, qu'est-ce qui est achevé? Rien.
Rien n'est jamais à l'état de fin dernière, avant la mort. Ou alors, c'est l'interruption de la vie. Parce que, d'une manière ou d'une autre, la vie, ainsi, s'accorde à elle-même. Elle se suspend au bord de sa peur. Elle se suspend et elle se perd. C'est vrai, c'est vrai. Elle se perd et c'est inconsolable pour les autres. Mais cette vie qui se perd, en se perdant, au fond, elle se salue elle-même et elle se dit adieu. Comme une donnée de l'existence et de la société. Aussi longtemps, du moins, que les garanties de type religieux ou mythologique ont pu fonctionner. Mais en fait, même si ces garanties ne fonctionnent plus, je dirais en fait, nous avons tous le sens de cet inachèvement essentiel du sens. Nous savons cela. Nous savons que la mort de chacun est tragique, est extrêmement douloureuse, triste, regrettable, etc. Mais en même temps, nous comprenons très bien que la vie n'est pas le maintien d'une inertie, mais le risque d'une existence. Imaginez la vie d'un être humain ou de n'importe quel animal qui, à un certain stade, au fond, arrêterait, cesserait de se développer et se maintiendrait comme ça, égal à lui-même, dans un simple entretien dépourvu de tout autre élan que justement de la simple inertie. On dirait, ce n'est pas une vie. C'est ce qu'on dit d'ailleurs de quelqu'un que l'accident, la maladie condamne à rester non seulement immobile, mais par exemple privé de parole, privé de perception, etc. En revanche, ce que nous ne supportons pas, c'est que des promesses de confort, des assurances de maîtrise, des savoirs et des pouvoirs de haute précision développent une humanité asservie à quelques-uns, asservie à la puissance de quelques-uns et nuisible au plus grand nombre. Une humanité finalement privée d'esprit, privée de sens, privé même d'inachèvement du sens. Privé de ce désir de sens, de cet élan de sens que pourtant elle porte en elle, l'humanité. C'est-à-dire le sens de l'existence exposée à elle-même, à sa propre chance et à son sort, mais non exploitée par des bandes de machines à calculer. Car ces machines prétendent calculer nos vies, alors que nous savons, en dépit de tout, nous savons que nos existences sont incalculables, et que justement elles le sont parce qu'elles sont mortelles. Si elles n'étaient pas mortelles, elles ne seraient pas incalculables. Elles vaudraient simplement leur prolongement indéfini. Voilà, je crois, ce que l'événement de la pandémie met au jour. Il nous demande de nous interroger sur tout cet ensemble du projet à l'intérieur duquel nous redécouvrons la présence insistante de la mort et la nécessité
d'en faire autre chose qu'un simple obstacle qu'il faudrait écarter autant que possible. Ce qui veut dire qu'il faut que nous découvrions ce que veut dire l'inachèvement du sens, l'ouverture infinie du sens. Je ne développerai pas plus, je termine simplement en disant avec des vers de Konrad Eicken. Et je dirais ceci, il faut que nous puissions dire avec Konrad Eicken ce que je vous lis maintenant. Et ici, nous avons vu le catalogue des choses, toutes prises dans le maelstrom des limbes, en tourbillon concentrique jusqu'au bout de l'entonnoir, sans nombre, sans signification et sans propos, sauf que le manque de propos porte un nom. Le manque de signification possède un battement de cœur et le manque de nombre porte un manteau d'étoiles. Et dans un article récent, vous avez raconté qu'en nommant indien, vous avez appris les mots communovirus, c'est-à-dire l'idée de ce virus qui vient du communisme, mais qui nous communise à nous tous. Je voudrais vous demander justement, qu'est-ce que vous en pensez de cette idée, de ces virus qui vient de la Chine, qui vient de ce régime communiste, si on peut continuer à dire ça, et comment le sens des communautés, que vous avez traité dans plusieurs de vos livres, et a changé avec cette idée de pandémie. Ah, je pense pas que le sens de la communauté ait changé, mais il est devenu plus sensible. C'est-à-dire que cette pandémie, elle nous montre de façon tangible à quel point nous sommes reliés les uns aux autres, à quel point nous sommes interdépendants. Évidemment, d'ailleurs, la pandémie soulève tout de suite aussi des quantités de problèmes de rapport entre les pays, entre les classes, les couches sociales. Bien. Donc, tous les rapports liés à l'être ensemble sont mis au premier plan, sont mis à vivre. Alors, on a beaucoup insisté sur la solidarité que cela a enfin, poussé tout le monde à développer, mais on est déjà en train de sentir à beaucoup de d'égards combien cette solidarité est fragile. Et je crois que ça veut dire que c'est pour ça que le mot de communovirus m'a amusé, parce qu'il a été pris bien sûr de manière ironique par rapport à la prétention du régime chinois de se dire communiste, et comparé au fait que le communisme, jusqu'à présent, il n'y en a pas eu, personne ne sait ce que c'est, mais en fait tout le monde comprend que ça veut au moins dire quelque chose, c'est-à-dire que il faut prendre en compte le fait que nous sommes tous ensemble, que nous avons une existence commune, que nous le voulions ou non. Donc je crois que ce que ça nous demande, c'est de penser de quoi est fait le commun. Est-ce que ce qui, par exemple, en ce moment, j'ai l'impression qu'il se développe un peu l'idée que ce qui est vraiment commun, c'est la vie. C'est la vie et la santé, la défense de la santé. C'est pas sûr que ce soit ça le véritable fond
du bien commun de l'humanité. Bon. Si vous voulez, pendant très longtemps, toutes les sociétés, toutes les civilisations ont comporté des hiérarchies et des différences, on pourrait dire même quasiment ontologiques entre les hommes. Par exemple, il y avait des hommes libres et des esclaves. Il y avait des gens, il y avait des rois par nature, il y avait des prêtres par grâce. Bon. Maintenant, s'il n'y a plus tout ça, au moins pour tout l'ensemble des sociétés dites développées, il n'y a plus tout cela. Pourquoi sommes-nous attentifs au commun? Après tout, il suffirait peut-être de réinventer des hiérarchies. Et il y a des gens qui seraient tout à fait prêts à faire ça. Il y a des gens qui seraient prêts à dire, mais oui, mais bien sûr. Et en fait, il y a dans l'ordre techno-économique qui nous domine, il y a des gens qui sont tout à fait assurés qu'ils sont de droit dans la position du pouvoir parce qu'ils ont les moyens, c'est tout. Parce qu'ils ont les moyens et qu'avec les moyens, ils peuvent payer toute la recherche technique et tout le développement technique, etc. Bien. Et que ça, par exemple, que ça justifie qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent que ceux qui n'ont rien d'autre à faire que d'exécuter les tâches programmées par le sommet de l'appareil. Donc, en fait, notre société, elle est pleine de hiérarchies, même très fortes. Hein. De même que quand même toutes, je ne sais pas, par exemple, pour moi, je suis européen, mais toute la société européenne, par rapport à l'ensemble africain, au moins, qui est si près de nous, en particulier, je dirais, si près de la France, avec le, bon, ben, en fait, bien sûr, nous ne sommes plus des colonisateurs, nous ne sommes plus racistes, en principe, hein. Mais quand même, nous regardons l'Afrique un peu de haut. Ah oui, la pauvre Afrique, ah, elle m'a, bon. Alors, ces derniers temps, on dit, ah, c'est bien parce que quand même, le virus n'est pas aussi puissant en Afrique qu'on avait pu le craindre. Très bien. C'est pas ça qui suffit à sortir l'Afrique de l'état de suggestion, d'exploitation dans lequel elle est. Bien. Donc. Mais, je crois que il faut reconnaître que nous ne savons pas pourquoi nous sommes égaux. C'est ça qu'il s'agit, c'est à ça qu'il faudrait arriver à répondre. Parce que si je dis nous sommes égaux parce que nous sommes tous des hommes, d'accord, qu'est-ce que c'est l'homme? Kant dit il n'y a pas de réponse à cette question. Bon, alors, nous ne savons pas ce que c'est que l'homme. L'homme, c'est celui qui est capable de tout. Il est capable d'aller dans la lune, il est capable d'exterminer des peuples entiers, il est capable de détruire des forêts entières, et etc., etc. Pour rester dans ce que je viens de dire, on peut dire ce qui fait l'homme, c'est la circulation du sens. Ouais. Alors, si on estime que ça vaut la peine de faire du sens, de se parler, de se comprendre, et par là même de pouvoir inventer du sens, je veux dire, de pouvoir faire comme. C'est pour ça que je voulais terminer en lisant un morceau d'un poème de Konrad Aiken, parce que le poète là dit quelque chose que le philosophe ne peut pas dire. Rappelez-vous, c'est-à-dire, le manque de nombre porte un manteau d'étoiles. Vous savez utiliser aussi les mots néoviralisme par rapport au néolibéralisme, c'est-à-dire l'idée de ces néoviralistes qui voudraient ouvrir tout d'un coup la société et avec une espèce d'eugénicie contre le faible, le malade, le vieux. Qu'est-ce que vous en pensez des conséquences négatives de cette pandémie de Covid? Bien sûr.
Maintenant, on peut dire justement avec ceux que j'ai appelés les néo-véralistes, on peut dire il n'y a pas tellement de morts. On peut même dire, en tout cas en France, un certain nombre de gens l'ont dit, après tout, les morts sont des, ce sont des vieux qui se portaient déjà mal. Et, évidemment, moi, je suis particulièrement sensible à ça parce que j'ai 80 ans, je n'ai pas une très bonne santé, pas pour des tas de raisons, parce que je suis greffé du cœur, mais bon. Donc, si on me dit, oh, vous pouvez mourir parce que vraiment, ça suffit. De toute façon, vous allez mourir bientôt. C'est vrai que je vais mourir bientôt. Mais c'est justement la question de savoir à quoi nous mesurons ou nous apprécions, si on veut, la valeur d'une vie. Si une vie qui n'est plus bonne à grand-chose, n'est plus bonne à vivre, c'est que justement nous sommes dans une logique de l'utile et de l'inutile. Donc, d'autre part, alors après il y a des questions de stratégie, oui, stratégie de confinement ou de non-confinement, ça je reconnais qu'il y a des questions très compliquées qui ont été posées à côté de ça, c'est vrai, mais en même temps, le fait même qu'il y ait eu, et puis il va y avoir, parce qu'il va y avoir des reproches rétrospectives très lourds, surtout en France, je peux vous dire, on voit très bien comment ça va se passer. Et Macron va se faire complètement assassiner parce qu'il aura confiné trop tard, ou justement parce qu'il aura confiné, enfin bon. Mais, Le fait même qu'il y ait eu un tel débat montre que justement les questions de fond qui sont derrière ne sont même pas touchées. Donc, et ça, c'est en un sens, c'est très intéressant. Par exemple, on a dit les gens, beaucoup de gens qui sont dans des asiles de vieillards ont une vie qui n'est pas du tout intéressante, qui est pauvre et tout. Oui, c'est vrai, et encore que ça puisse dépendre beaucoup du niveau social, de l'argent dont disposent les gens et les familles. Bon, mais il est vrai que souvent la vie de personnes très âgées, très malades, bon, est une vie. Mais alors. La question n'est pas de savoir maintenant, parce qu'il y a la pandémie, ce qu'on fait, mais comment organise-t-on la vie des vieillards? Ou alors est-ce qu'on supprime les vieillards à partir d'un certain âge? Mais oui, j'avais un ami, qui était un très grand peintre, qui était Simon Antaille, qui est mort, je crois, d'environ 85 ans. Et quelques années avant, il me disait, mais qu'est-ce qu'on va faire de tous les vieux là que nous sommes, hein? Et il disait, il faut réinventer le cocotier. Alors le cocotier, vous voyez, que ce soit légendaire ou pas, c'est l'idée que dans certaines tribus d'îles du Pacifique, quand quelqu'un paraissait trop faible, on le faisait monter au cocotier, et si, comme il ne pouvait pas, comme il n'y arrivait pas, il tombait et il se tuait, ou il se blessait gravement. De même que dans le Japon ancien, on emmenait des vieilles personnes dans la montagne et on les laissait très très loin de la ville, avec un peu de nourriture, et puis ils mouraient comme ça. Dans la France, du 19e siècle, je crois encore, mais je crois à peu près certainement, mais en tout cas très certainement du 18e siècle, il arrivait qu'on fasse mourir les vieux, qu'on les étouffe. Il y avait même des dispositifs comme ça, on attachait un matelas à une porte, on pressait la porte, plusieurs hommes très forts pressaient bien, et la personne mourait étouffée. C'était des pratiques qui paraissaient
normales, même si elles étaient perçues comme désagréables, rebutantes, etc. Bon. Alors, voilà, nous avons fabriqué, c'est vraiment un produit de la technique, nous avons fabriqué des longues vies. Qu'est-ce qu'on fait avec les longues vies? Voilà. Est-ce que ça vaut la peine d'en produire? Vous savez, en petit désaccord avec votre ami Giorgio Agamben, autour de l'état d'exception, autour des mesures que les États démocratiques ont prises pour combattre la pandémie. Qu'est-ce que vous en pensez maintenant de ça? Ah, je suis très embêté avec ça parce que j'aime beaucoup Giorgio Agamben et c'est un homme d'une grande finesse d'esprit, tout simplement. Là, je crois qu'il y a quelque chose qui s'est emparé de lui, disons une forme de paranoïa, hein, qui repose sur l'idée, qui n'est pas nouvelle chez lui, elle est déjà présente avant, bien sûr. Il repose sur l'idée qu'il y a un grand complot mondial. C'est-à-dire, ce que moi j'analyse, et je ne suis pas le seul, bien sûr, comme beaucoup d'autres, que j'analyse comme la civilisation techno-capitaliste, si vous voulez. Oui, Giorgio, il y voit un complot destiné à réduire toute l'humanité à l'état, dans un certain état de servitude et tout. Or, je crois que toutes les théories du complot sont toujours fausses quelque part. Parce que, évidemment qu'il y a des intérêts en jeu, qu'il y a des gens très puissants, très riches. Seulement, comme on le sait, il y a aussi des problèmes qui se posent à l'intérieur du capitalisme lui-même. Et on ne peut pas continuer à produire et à produire indéfiniment sans qu'il y ait la population nécessaire pour consommer ce qui est produit. Alors ça d'abord c'est une chose, mais d'autre part, le capitalisme n'est pas un complot, puisque le capitalisme c'est toute une civilisation. C'est la civilisation européenne qui, à la Renaissance, tout d'un coup a fait passer la valeur du côté de ce que Marx a appelé ensuite l'équivalence générale. C'est un certain choix qui a été fait, et c'est en même temps le choix du progrès, le choix du développement exponentiel des possibilités de maîtrise de la nature. Or, maintenant, nous sommes justement devant les problèmes créés par ce développement lui-même. Alors c'est plutôt de ça qu'il faut s'occuper. Mais interpréter les mesures prises à propos de la pandémie comme une volonté délibérée de réduire tout le monde à l'état de... Non, ça marche tellement pas. On pourrait dire que toute la population italienne ou française... espagnoles, les populations européennes les plus touchées par le virus, n'ont pas arrêté de montrer pendant tout le temps du confinement qu'elles ne voulaient pas être... Bon, en même temps, il y a eu un côté solidarité, observance et peur aussi, peur beaucoup. Mais d'un autre côté, il y a... Moi, je connais des gens... qui se déplaçaient pendant le confinement exprès pour aller aider des gens isolés, malades, faibles et qui manquaient d'aide. Et là, donc là je crois que c'est une grosse, et puis c'est une erreur ensuite pour une deuxième raison, alors peut-être plus comment dire, je sais pas, une deuxième raison, qui est que penser qu'il s'agit d'un complot suppose que sous le nom de néolibéralisme ou de capitalisme, ou ce qu'on veut, même moi quand je dis techno-capitalisme, tout ça,
que on a une grande unité. C'est pas vrai. Et c'est pas vrai du tout. C'est une affaire extrêmement complexe que même les économistes peuvent discuter de savoir comment est-ce que ça s'appelle et comment est-ce que ça s'analyse surtout. Et alors, si on considère toutes les luttes et les tensions internes entre les États-Unis et la Chine, entre un pôle plutôt occidental et un pôle plutôt oriental, mais à l'intérieur du pôle, regardez ce qui se passe entre la Chine et Hong Kong. Où est Hong Kong? Où sont Hong Kong, Taïwan, la Corée du Sud et le Japon? Ils sont en Orient, mais ne veulent pas être dans une certaine orbite orientale. Donc alors, ensuite, les États-Unis et le Mexique. L'ALENA, là, comment ça s'appelle? Bon, voilà. Tout ça, ce sont des quantités de tensions et de distensions internes à ce monde qui rendent difficile d'y voir un simple complot. Et pour finir, professeur Nancy, vous avez réfléchi beaucoup autour du corps, du toucher, du mouvement, même de la mondialisation, du capitalisme, de la démocratie, etc. Moi, je suis romancier et je voudrais vous demander de nous dire comment vous imaginez que ça va être le monde après les déconfinements, ce qu'au Mexique on appelle la nouvelle normalité. Si c'est une normalité, alors pourquoi serait-elle nouvelle? je trouve que c'est une expression peut-être un peu contradictoire. C'est ça comme le gouvernement mexicain a appelé justement le déconfinement. Et c'est vraiment assez bizarre. Mais justement, on ne sait pas, parce que il y a évidemment une grande hypothèse assez simple qui est que les forces qui étaient déjà là en présence, qui n'ont pas arrêté de se manifester pendant tout le temps, justement, vont reprendre encore plus d'énergie et par exemple, en France, il va y avoir des luttes politiques et sociales peut-être très dures. Bon. Ce qui s'est passé avant, depuis déjà 2 ans en France, ça n'est pas fini du tout. Bon. Et la pandémie va servir de prétexte pour nourrir encore plus. Bon, peut-être. D'un autre côté, je ne crois pas du tout que, par exemple, qu'il y aurait une nouvelle normalité qui serait une belle solidarité, une belle. Parce que, regardez, à l'échelle de l'Europe déjà, les problèmes là, les derniers épisodes qu'il a fallu que Angela Merkel se prononce contre la Cour constitutionnelle allemande pour arriver à permettre qu'il y ait une dotation générale pour toute l'Europe. Bon, mais ça vaut même à l'intérieur de la France. Figurez-vous, moi j'habite dans le nord-est de la France, qui est une des régions les plus touchées par le virus, mais je sais que mes compatriotes du sud-ouest, et le sud-ouest c'est mon pays d'origine, ils nous en veulent. Ceux du sud-ouest en veulent à ceux du nord-est, que si ceux du nord-est veulent descendre dans le sud-ouest et leur apporter le virus. Donc, je suis sûr qu'il y en a même quelques-uns qui seraient d'accord pour dire, bon, maintenant, on va fermer les frontières. Il y a, par exemple, en Allemagne, il est arrivé qu'il y a au moins un État, je le sais, Schleswig-Holstein, a fermé ses frontières parce qu'il y avait trop de gens de Hambourg qui venaient dans le Schleswig-Holstein pour venir à la campagne. Donc évidemment, il va y avoir des luttes. Bon, donc tout ça fait que ça nous repose, et ça c'est très intéressant, ça nous repose la question de l'État. Comment comprenons-nous l'État? Que voulons-nous de l'État? Et
comment l'État doit-il être constitué et fonctionner pour, voilà, pour qu'il puisse faire fonctionner un équilibre entre les classes, entre les gens. Ça, c'est une grosse. Et en France, évidemment, c'est particulièrement sensible parce que je crois que la France est un pays dont l'État est malade. Hein. Depuis, ça fait déjà un moment. Bon. Et il y a plusieurs des présidents ont essayé de réformer l'État, mais ça, mais l'État français est malade parce que c'est un État trop vieux, trop fort. Ça a été l'État le plus fort, peut-être, de l'Europe pendant les siècles du classicisme et des Lumières, à l'exception de l'Angleterre. Mais l'Angleterre, elle pouvait décharger son goût du pouvoir sur son empire. Mais la France, elle a vraiment, oui, construit le modèle d'État centralisé le plus fort. Et maintenant, justement, par exemple, nous sommes toujours un peu perplexes devant les États fédéraux, comme l'Allemagne, comme les États-Unis, jusqu'à un certain point, ou le Mexique, ou le Brésil. Oui. Par exemple, en ce moment, au Brésil, les gouverneurs de beaucoup d'États s'opposent à Bolsonaro. Bon. En France, il n'y a même pas d'État. On ne peut pas justement fermer les frontières d'une région comme on peut le faire d'un État en Allemagne. Donc il y a une question de l'État, mais la question de l'État, elle est extrêmement profonde parce que elle demande qu'est-ce que l'État. L'État ne peut pas être simplement un organisme de gestion, ce qu'il a tendu à devenir depuis, en France, mais je crois dans le monde, c'est très clair que depuis à peu près 50 ans, le rôle de l'État est devenu de plus en plus gestionnaire, un gestionnaire lui-même soumis aux impératifs techno-économiques d'une machine qui dépasse tous les États. Donc, il faut repenser l'État. Mais l'État, il doit provenir de la société. Comment? Pourquoi? Oui. Donc, en un sens, c'est très intéressant. On pourrait dire que nous sommes dans une période très excitante, mais très, très dangereuse aussi, c'est vrai. Merci, professeur Nancy. Je tiens beaucoup à vous remercier. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a todos y a todas por haber participado y seguido esta edición extraordinaria de El Aleph, dedicada justamente a los efectos de la pandemia, a las consecuencias en todos los órdenes de nuestra vida. Muchas gracias y hasta la próxima.